La musique, c'est un des derniers stades du film. On peut imaginer quelle musique il va y avoir sur le film, mais c'est toujours le réalisateur qui décide. C'est lui qui choisit le musicien. Et même dans le choix du musicien, il ne sait pas forcément quel type de musique il va avoir, quoi. C'est pas, y a aussi la façon de voir du musicien. Alors, mon expérience en France, c'est que souvent les réalisateurs ne connaissent rien à la musique. Bon, enfin, je l'ai dit, je l'ai dit. Ils connaissent pas grand-chose à la musique, disons, et ils ont une approche de ce côté-là qui est vraiment une approche d'infirme. Donc, ils font appel à un musicien parce qu'ils aiment bien ce qu'il a fait dans tel film. Et souvent, le musicien travaille tout seul. Quand on travaille avec Polanski ou avec des gens qui travaillent à l'américaine, on fait ce qu'on appelle un spotting de musique, c'est-à-dire que on voit le film avec le musicien et on regarde tous les endroits où il va y avoir de la musique et on dit. On essaie de définir le type de musique que ça va être. Là, on veut que ça soit romantique, là, on veut que ça soit dramatique, là, on veut que ça soit mouvementé, que ça soit un tempo rapide. Donc, on fait déjà un travail préalable. Et ensuite, on peut éventuellement faire des maquettes. Mais disons que ça, c'est pas une habitude française du tout de faire ça. C'est aussi quand même une de mes grandes expériences en France, c'est que on jette à peu près au moins 20% de la musique qui est enregistrée pour le film. Ce qui est pas mal quand même. Moi, ça m'est arrivé sur un film de jeter entièrement la musique. Entièrement. Au bout d'une semaine, le musicien m'a appelé et m'a dit « Alors, comment ça se passe ?» J'ai dit « Bah, ça se passe sur l'étagère, ta musique, elle est sur l'étagère, là. » Il me dit « Comment ?» Je dis « Mais ça va pas du tout. Ça va pas du tout. C'est pas ce qu'on t'a demandé. On t'avait dit qu'on voulait une petite formation. T'as pris 60 musiciens, donc la musique, on la monte pas. » Pour moi, c'est un exemple type. On avait parlé aux musiciens avant, mais on avait fait juste une réunion. C'était avant le tournage, en disant « Voilà, il faudra pour ce film, qui est un film intimiste, un type de musique assez intimiste. » Après, il n'y a plus de réunion parce que ce n'est pas la tradition en France, donc on n'en parle plus, il travaille dans son coin, et on arrive le jour de l'enregistrement, il y a 60 musiciens qui sont là, c'est l'orchestre symphonique et tout, et le metteur en scène me dit « je me casse ». Finalement, on a quand même jeté la musique, ça a coûté une fortune, quoi. C'est un truc. C'est pour ça qu'il y a aussi peu de musique dans les films français. C'est vraiment, on peut dire que par rapport aux films américains, il y a, je sais pas, 60-70% de musique en moins dans les films français. Il y a très très peu de musique dans les films français. On maîtrise mal ça, quoi. Très très mal. Mais bon, la musique, c'est donc, pour moi, c'est un élément extrêmement important. Et moi, je travaille depuis longtemps un peu à l'américaine en mettant des musiques, ce qu'ils appellent un temp score, c'est-à-dire un temporary score. On met de la musique temporaire qui est dans l'esprit de ce qu'il faudrait, en fait. Si on est porté par une musique, on peut déjà avoir une idée du rythme que ça doit avoir. Et même une musique temporaire aide énormément à ce moment-là. C'est pour ça qu'on travaille comme ça, avec des musiques temporaires, pour essayer de trouver à partir de quel moment ça devient vraiment long et ennuyeux. La musique dans un film, c'est complètement, c'est comme tout, enfin, c'est variable. Le rôle est différent dans tous les films. Dans le film précédent que j'ai fait avec Roman Polanski, moi, tout de suite, j'ai vu qu'il y aurait très peu de musique. Je me suis dit, il y aura très peu de musique. Il y a Chopin, il y a les morceaux de Chopin. C'était le pianiste, donc il y avait, je sais pas, une demi-heure de Chopin ou 25 minutes de Chopin. Mais après, musique originale, j'en voyais très très peu. Et personne, les gens avaient l'air de dire, oui non, c'est quand même un film important et tout, il faut beaucoup de musique. Moi, je disais, non, non, je pense qu'il faut pas de musique. À l'arrivée, je pense qu'on a, en dehors de Chopin, il doit y avoir 10 minutes de musique sur un film de 2h30, ce qui est rien du tout. Le pianiste, c'était un film qui se voulait pas du cinéma, enfin en tout cas pas du cinéma hollywoodien, mais on rejetait tous les artifices cinématographiques. On essayait de faire du réel, de faire plutôt de l'actualité. Donc si on met de la musique, ou les actualités à l'ancienne, ils mettent une musique triomphante, enfin bon, c'est grotesque. Et sinon, qu'est-ce qu'on met comme musique? Ça fait tout de suite cinoche, quoi. Dès qu'on met une musique sur des images, ça fait cinoche. Donc on s'est aperçu très vite que. Dès qu'on mettait les bruits réels, c'était 10 fois plus fort, on y croyait vraiment. Quand un mec est jeté par la fenêtre du troisième étage, si on met une musique tragique, c'est Hollywood. Si on met pas de musique, c'est tout d'un coup, c'est la réalité. C'est vraiment les nazis qui jettent un vieux de sa chaise roulante dans la rue. Il y avait un poids 10 fois plus fort, enfin une cruauté 10 fois plus grande sans musique.
Là, pour Oliver Twist, c'est clair que c'est un conte, c'est l'inverse. On ne cherche pas le réalisme. Donc plus il y a de la musique, et mieux c'est, quoi. Une séquence, les séquences, même les séquences avec la foule, dès qu'on met trop de bruit de foule, ça devient réaliste et c'est pas intéressant. On s'en tape de ce que disent les gens, on veut vraiment un truc qui fasse rêver, quoi. Donc la musique est totalement indiquée. Dans le cas dont on connaît la chanson, c'est un cas un peu spécial parce que c'était un film dont le principe était la musique, enfin des morceaux de chansons, quoi. Le principe du film, c'est on se réveille le matin avec un air dans la tête et puis tout d'un coup on rencontre des situations qui sont reliées, qui sont liées à cet air et puis on y pense toute la journée comme ça. Donc, bon, il y avait ces playbacks tout le temps, on montait en musique, c'était logique, quoi. Ça a été tourné comme ça, c'était un film qui était techniquement assez dur à tourner à cause de ça, parce qu'il fallait que les comédiens apprennent vraiment très précisément les chansons, enfin les morceaux de chansons qu'ils avaient à chanter. Et surtout, il y avait un problème de lancement des chansons pour le timing, parce qu'on ne pouvait pas attendre qu'un CD se mette à rouler, et puis ensuite, enfin, il s'arrêtait de parler, on attend que le CD roule, et puis ensuite, quand le morceau s'arrête, tout ça c'était un minuté au millième de seconde près, donc c'était un truc techniquement assez acrobatique à faire, mais c'était passionnant. La chanson d'Arletty, non, c'est pas Arletty, c'est Acoustapass, entre Agnès Jaoui et Lambert Wilson quand ils visitent l'appartement, c'était tout en travelling circulaire. C'est sûr qu'avec la musique, c'est beaucoup plus difficile de monter parce qu'on est coincé. Dans le cas des comédies musicales, il y a des impératifs, des limites techniques au travail du monteur, puisque les gens doivent, au moment où on fait le raccord, chanter exactement le même mot, la même chose. On ne peut pas rallonger la musique, on ne peut pas rallonger la chanson, on est coincé par les paroles, quoi. Donc il y a, disons, des contraintes techniques qui sont plus lourdes et pas forcément plus excitantes parce que on est bloqué, ça bloque un peu. Mais bon, en même temps, c'est intéressant. Alors, c'est sans doute que je vous dégoûte. Ah, dites plutôt que vous me plaisez trop. Que dis-tu de ce grain de beauté? Oh, trop long. Et mon dos? Quel morceau? Et ma peau? Et les os? Et l'oreille? Ah mon Dieu, j'ai chaud! Alors? Quoi? Qu'est-ce que vous en dites? De quoi? Ben, de l'appartement. il est bien. Non, mais il est très bien. As-tu les baisers dans le cou? Sacrable! Les caresses un peu partout? Mon Dieu. Les babous, sommes tatoués. Les drapous, oui. Et le reste, ma grande fille. Aimez-vous un homme fou? Ça dépend. Absolument fou de vous. Et comment? Je n'en peux plus. Moi non plus. Je suis foutu. Qu'attends-tu? Mais le reste. Et bien plus qu'on est d'accord. Et bien plus qu'on est d'accord. Et même corps. Plus encore. Et ne pensons plus qu'à nous. Les hommes s'en foutent. On peut aussi monter la musique et couper dans la musique. Ça, c'est pas du tout une spécialité française. Ça n'existe pas, les monteurs musique en France. Alors qu'en Amérique, il y en a plein. Parce que, enfin, le fin mot de l'histoire, c'est que les Américains font beaucoup de previews et recoupent les films, même au dernier moment. Donc, il faut faire des coupes dans la musique qui soient musicales. Donc, c'est des gens qui ont fait le conservatoire, qui sont des musiciens aussi. Enfin, ça se monte aussi, la musique, disons.